20h-22h. La battle sur Fun Radio. Et ce soir, nous allons accueillir pour cette battle deux candidats. Deux candidats qui sont avec nous. On va accueillir Fanny, 17 ans de Nancy, et Ryan, 19 ans de Toulouse. Bonsoir Ryan, bonsoir Fanny. Alors je vous explique, le jeu c'est très très simple. Vous allez représenter chacun des candidats, tout simplement. Et on va vous poser des questions. Je vais vous poser des questions avec des chiffres à me donner. Et celui qui aura la réponse la plus proche fera gagner l'auditeur qu'il représente. D'accord. C'est très simple. Je vais demander à Fanny de choisir avec qui elle veut jouer. Alors moi, j'aimerais jouer avec Kev. Très bien. Donc, Ryan, tu joueras avec Mélanie. Exactement. Alors, on va apprendre des trucs. On va savoir si vous êtes OP sur certaines choses. Alors, concernant... tu peux réexpliquer la règle. Alors, c'est très simple. Alors, je vais réexpliquer pour Mélanie qui n'avait pas compris. Je vais poser une question. Tu donnes le chiffre qui t'inspire et celui qui sera le plus près du bon chiffre gagne un point. Voilà. Okay. Par exemple, sur 100 mecs, combien ont déjà essayé de se faire une autofellation ? En pourcentage ? Je dirais 35%. 35%, t'as déjà essayé toi, Kev ? Moi jamais, mais je sais qu'il y a des complètement ma'boules qui font ça tout le temps. Moi je dirais 10%. 26%. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a dans ce studio qui ont déjà essayé de se faire une autofellation. Et c'est Kev le plus proche. Je suis c'est donc Kev le plus proche. Désolé Ryan. Un point pour Kev et Fanny, donc un point t'as pour compris que j'étais calé dans tout ce qui était autofellation. Attention, on continue. Quel est le pourcentage de personnes ayant déjà testé la sodomie ? Alors attends, de personnes, c'est-à-dire de tout confondu, homme-femme ? Homme-femme. Sur 100. Sur 100. Et qu'ils le déclarent donc. Je dirais 40%. Mais 38%. 38% pour ouais. Kev, Mélanie. Et moi, je dirais 60%. Alors, vous allez faire le calcul à ma place parce que sinon, c'est compliqué. 51%. C'est Mel qui est la plus proche. Non, c'est moi, 38. Moi, j'ai dit 38, t'as dit quoi ? 60. Ah oui, 69. C'est un point pour Mel. 51, c'est ? 51. C'est pas vrai. Une personne sur Mel, c'est pour toi. A déjà testé la sodomie, Kev et Mélanie, d'ailleurs, là-dessus. Moi, je pensais que en vrai, je pensais que ça aurait été plus, moi. D'accord, mais c'était donc Mélanie, je pense que tu nous en as dit long. Moi, je ne dis rien. On enchaîne. Quelle est la durée en moyenne d'un orgasme féminin ? Kev. En moyenne, la durée d'un orgasme féminin, je dirais, 12 secondes. Mélanie ? Et je dirais... Non, c'est moins. Non, t'as dit 12, il a fait un signe. Ouais. À moi, je dirais 8. Toi, tu dis 8, moi, je dis 12. Un orgasme féminin ? On me dit c'est 14. Bah, c'est 14 secondes en moyenne. Attendez, de toute façon, quoi qu'il, j'ai mais gagné. Mais c'est parce que t'as fait un c'est 12. Signe. Non, c'est entre 10 et 60 secondes. Parce qu'un orgasme féminin peut être beaucoup plus long qu'un orgasme masculin. Oui, mais c'est à la base, normalement, donc, c'est en moyenne, 14. C'est 14. Bon, 14. Quoi qu'il arrive, de toute manière. C'est Kev. Un point pour Kev. À quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel ? La moyenne. Toi ? Attention. 16 ans. Toi ? Oui, moi. 16 ans ? Moi j'ai dit 16. Tu sais quoi, tu veux dire quoi toi? Moi je dis 17. Moi je dis 18. 17. Allez, bravo Mélanie. Un point de plus pour Mélanie. Je sais pas qui compte les points. Combien de partenaires sexuels les Français ont-ils? Mais attends, pouce, j'ai dit 18. Moi j'ai changé. Bah oui, mais elle avait le juste chiffre. Ah, c'était elle avait le juste prix. Elle avait le juste prix. Combien de partenaires sexuels les Français ont-ils dans leur vie en moyenne? Waouh, je sais pas, une centaine, une cinquante. Ah ben dis donc. C'est beaucoup. Tout le monde a la moyenne. Il y en a qui plombent la moyenne. Hein. Ouais. 10. 10. 10. Mélanie. Arrêtez d'aider Mélanie, vous êtes en train de devenir. Mélanie, je joue pour Fanny. 10. Moi j'ai dit. J'aurais dit 10, pareil, j'aurais dit. Dis là 9. 9, la victoire pour Kev Adams, c'est 10. C'est 17. Bravo. C'est combien? C'est 10. Tu vois, je savais que c'était 10. Ouais, mais tu vois, j'aurais dit 10 si j'avais répondu la première. Ben, c'est vrai. on les fait gagner tous les deux? Oui, parce que je pense que moi, c'est parce qu'il avait déjà dit 10 et je pensais que je pouvais pas dire pareil. Donc je pense qu'on est ex aequo. Bon, et ben. Bon, d'accord. Fanny, voilà, un jeu qui sert à rien. Au final, tout le monde gagne. Moi, j'aime bien quand il y a des perdants. Fanny, Ryan. Oui. Ouais, tout le monde a gagné. Et voilà, allez, vous avez tous gagné. C'est vous énorme. Avez gagné vos places d'ailleurs, pour les voir. Ils vivent où, Fanny et Ryan ? À Nancy et à Toulouse. Peut-être que vous devriez vous rencontrer autour de Metz, à mi-chemin.
J'étais raté au Cégir de Blagnac, mon perso. Ah, sympa. C'est peut-être une belle histoire d'amour qui commence. Vous repartez avec vos places pour aller voir le film événement qui sort mercredi en salle, Love Addict, avec Kev Adams et Mélanie Bernier, nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, c'est fini. Ouais, ouais, bah ouais. Fini. C'est passé trop vite. Mais reviens demain. Comme ma première fois. Retrouvez Love in Fun sur Facebook, Instagram, funradio.fr et sur Twitter. Avec le hashtag Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio.